Bonjour. Aujourd'hui, je quitte le Bousquet d'Orb et je ne sais pas où je vais, là où mon corps me porte. De mal à partir ce matin. Je me suis levée à 5h, mais en fait j'ai déjeuné avec mes hôtes. C'était hyper sympa et ils sont vraiment très chaleureux. Et on était là sur la terrasse et tout, c'était tellement gai. J'avais pas envie de partir, j'avais envie de rester avec eux. Depuis que j'ai quitté le Bousquet d'Orb, donc j'étais tout en bas du village. Et là, je monte depuis déjà une bonne heure. C'est dur, la côte est raide. Et d'après la carte, ça monte comme ça pendant 10 km, jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et je ne sais pas si je vais y arriver, je vous tiens au courant. Moi, ça sera dans plusieurs heures, mais vous, ça sera à mon avis dans quelques minutes. Et alors, le tendon, parce que certainement vous vous interrogez par rapport à ma vidéo d'hier. En fait, j'ai pris des anti-inflammatoires. Donc là, ça va. Je sens pas la douleur, mais c'est pas une bonne chose. Parce que quand on sent pas la douleur, on a tendance à forcer. Donc je m'efforce de m'arrêter beaucoup, de boire beaucoup. Et clairement, j'irai pas jusque Mecle parce que c'est 20 km. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc je sais pas, on va voir. Je vous dis. Pour voir dans quelques minutes. Je vous explique pourquoi parfois je me perds. Donc le GR, il est balisé rouge et blanc. Là, vous voyez un piquet là-bas, sur la droite du chemin, avec effectivement le marquage rouge et blanc. Ça, c'est de là où je viens. Et c'est aussi la preuve que je ne suis pas perdue. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et en fait, j'arrive à un carrefour, je vous montre. J'ai une voie là, il n'y a pas de marque. J'ai une voie là qui monte, il n'y a pas de marque, il y a encore une voie par là sans marque, encore une voie par là, je suis allée voir, il n'y a pas de marque, et alors j'avance un peu, et il y a une dernière possibilité, il n'y a pas de marque non plus. Et donc dans ces moments-là, les amis, je suis bien contente d'avoir ma carte qui me permet de savoir quel chemin choisir. Aujourd'hui, je vais vous faire mon compte-rendu de la journée avant d'arriver. En fait, je suis plus très loin, il me reste 3 km. Alors, moi à la base aujourd'hui, je voulais marcher, je sais pas, 7-8 km et bivouaquer dans la montagne. En plus, il y avait pas mal de... J'ai vu plusieurs aires de bivouac. Et à un endroit, il y avait même une espèce de petite maisonnette avec vue sur le vide où il y avait moyen de juste mettre mon matelas, donc ça aurait été vraiment super pour moi dormir. Le problème, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était une journée de montée. Alors j'ai pas de problème avec le fait de monter. Je ne me plains pas.
Ça fait une semaine que je me mange 700 mètres de dénivelé tous les matins au petit déjeuner. Donc ça va, j'ai l'habitude. J'ai pas, vraiment, c'est plus un souci. Mais quand on mange 700 mètres de dénivelé sous 33 degrés, on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et là, en fait, j'ai bu déjà 3 litres. Et il me reste, je pense, 1 demi-litre d'eau pour moi finir mon étape du jour. Et je dois absolument pouvoir me ravitailler, sinon demain ça va pas le faire. Donc normalement la prochaine étape c'est Mecle et il reste encore 10 km. Bon bah ça c'est pas question, avec ma tendinite il n'y a pas moyen. Donc il y a une possibilité pour moi qui est d'aller jusque Serviès. Et donc ça me fait une étape aujourd'hui de 13 km pour aller boire de l'eau, pour pouvoir me ravitailler en eau. Et uniquement en eau, ils n'ont pas de magasin, de restaurant, rien du tout. Donc je vais devoir vivre avec les 4 biscottes, les 4 dernières biscottes qui me restent et le demi-sachet de noix. Mais bon, ça c'est pas grave, ça me pose moins de problèmes, mais l'eau vraiment c'est un enjeu capital. Et sur ce chemin-ci, il n'y a pas beaucoup. Je suis morte, mon pied me fait souffrir le martyr. Et en plus, tout à l'heure, quand j'ai filmé le carrefour, c'est parce que je me suis perdue. Donc normalement, mon étape, elle fait 13 km. Mais en vérité, j'ai marché 16 ou 17 km. Donc je suis pas super, super contente aujourd'hui. Or, le paysage était grandiose. Hein. Vous voyez les vidéos, c'était magnifique. Mais j'en profite qu'à moitié, quoi. Alors, tout à l'heure, j'ai croisé deux voyageurs avec qui j'ai discuté un peu, qui font le Gers dans l'autre sens. Et donc moi je vais en Espagne, eux ils vont en Italie. Et ils m'ont dit qu'ils avaient croisé une pèlerine qui selon eux est très sympathique et qui visiblement sera dans le même gîte que moi ce soir. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir si je vais la rencontrer. Et donc je vous tiens au courant demain. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.